Pourquoi est-ce que Freya t'a craché au visage? Non. Parle-nous de Baldur. Il prétend que rien ne peut le blesser. Oui, Baldur est invulnérable à toutes les menaces, qu'elles soient physiques ou magiques. Les fanfaronnades d'un dieu, tout le monde a un point faible. Sauf lui, j'en ai peur. Baldur est invulnérable à toutes les menaces, qu'elles soient physiques ou magiques. Tu viens de le dire, Mimir. Ah oui. Quelle est la source de son pouvoir? Eh bien, dans mon souvenir, ça impliquait... un sortilège. Mimir? Mon cerveau n'est pas encore tout à fait revenu à la vie. Laissez-lui un petit moment pour finir de se réveiller. J'espère qu'il n'est pas cassé. J'espère qu'il n'est pas cassé. Allons parler. Mimir, on est sur le lac. Parfait. Amarre-nous près du pont. Jormungand. Le serpent géant. Tête, comment parle-t-on au serpent? Là-bas. Il y a une corne sur la plateforme, au milieu du pont. Emmène-moi là-bas. Enfin, la corne. Bien, et maintenant... C'est parti. Fait construire cette statue en l'honneur de Thor, sachant à quel point le serpent monde tient ce gros abruti en horreur, il devait en avoir marre de le contempler. Mais c'est pas douloureux? Thor et le serpent monde ont un passif un peu mouvementé. Enfin, un avenir. Il faut croire que le voir à chaque fois qu'il se levait était encore plus pénible que l'idée d'avaler une statue de pierre. Tu veux que je lui demande? Non. Tout ce qui nous intéresse, c'est Jotunheim. Très bien, souhaitez-moi bonne chance. Se souvient de moi. La yu... Oh non, c'est pas ça. Ma kuna un tonko. Ah, oula. Ecco no oto no vuno. Il comprend ta douleur. Il va t'aider. Comment une tête sans poumon peut-elle souffler dans une corne? Qu'y a-t-il? Rien de bien inquiétant. C'est magique! Il s'assure qu'on prend la bonne direction. C'est magique. Écoutez-moi bien. Il faut deux choses pour pénétrer sur la Terre des Géants. D'abord, nous devons apprendre la rune qui ouvre le passage vers Jotunheim. Ensuite, nous devons graver cette rune dans la porte spéciale. Ah, les yeux. Sur le pic où on t'a rencontré. Exactement. Sauf que les géants, dans leur grande sagesse, ont fait en sorte qu'il faille un outil spécial. Trop stylé. Seule la pointe d'un burin magique peut ouvrir la porte. Trop stylé, l'œil. Par chance, je sais où il se trouve et ce n'est pas loin. Il a eu l'air furieux pendant un instant. Ah ça, il a cru que j'avais dit que vous étiez ami avec Odin. Pardonnez-moi, c'est la première fois que je parle de la langue ancestrale, sobre. Merci. Hé, hey, regardez! Le niveau de l'eau a encore baissé. On distingue mieux les tours des royaumes et les statues. Je vois même de nouveaux endroits à explorer sur le rivage. Où se trouve le burin? Trouvez-moi un bateau et je vous y emmènerai. Yeah!
Alors là, du coup, on a le choix. Où on part, où on explore. Ouais, non, on va récupérer le burin, comme ça, on va pouvoir faire les Valkyries. Ouais, mais c'est pas là, en fait. Faut prendre le bateau. Pomme. On aura atteint le bateau. On pourra soit aller chercher ce burin spécial, soit partir explorer les environs. Les deux me vont. À toi de décider. Non, on va récupérer le burin. Où se trouve le burin ? Continue d'aller vers les statues des rameurs et ensuite passe entre elles. On va récupérer ça. Avec le burin, tu vas buriner les Valkyries. C'est ça. Eh bien, elle me reproche d'être en grande partie responsable de sa condition actuelle. Et elle n'a pas complètement tort. Cela remonte à la grande guerre entre les As et les Vannes. Avant celle-ci, les As gagnaient aisément toutes les guerres, mais les Vannes leur tenaient tête et rendaient. Les deux camps subissaient de lourdes pertes. Et pour beaucoup d'entre nous, honnêtement, la guerre n'était plus un plaisir, mais un gâchis insensé de précieuses vies. Assez. Pas d'histoire, pas à pied. On se concentre sur la route. Je comprends parfaitement. On finira plus tard, petit. Tu as été arraché à ce royaume. Vous qui ah oui, à lui. Tu... La... Vraiment ? Atreus. Je sens Atreus. Ouais, on verra ça après. Ils ont pris trois des eaux de Goulvig et les ont disséminées. Ah, parfait. Le burin spécial est juste devant, derrière cette porte. Goulvig te récompensera. Il y a des elfes. Ça devrait pas être là normalement. Peut-être rechercher ses os. Pourquoi ? Tu l'as pas entendu ? On pourrait parler à mère. Si on regarde bien. Regarde tant que tu veux, Atreus. Je ne me laisserai pas distraire par cette tête futile. Eh ouais. Ce burin qu'on cherche, qu'est-ce que c'est ? Je suis content que tu me demandes. Laissez-moi vous conter une histoire. Autrefois. Vivait un géant du nom de Tamur. C'était un géant immense. Mais malgré sa très grande taille, c'était le meilleur tailleur de pierre que Tamur. Le monde ait jamais connu. Le fier Tamur espérait Tamur, un jour pardon. Transmettre son vaste savoir à son fils. Mais le jeune Rimtur rêvait de devenir un guerrier. Le père avait peut-être trop de peur. Son fils, pas assez. Toujours est-il qu'une dispute éclata entre eux et dégénéra. Et le tailleur de pierre, surmené, frappa son fils. Rimtur s'enfuit dans la nuit. Empli de honte et de remords, Tamur courut pour rattraper son fils, mais dans son tourment, il se retrouva vite seul et perdu dans Midgard. Malheureusement, il rencontra la seule personne qu'il valait mieux ne pas croiser seule la nuit, si loin de chez soi. Thor. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Tu vas voir. Thor, ça a l'air vraiment d'être un monstre hein, dans ce... Tué. Oh non, il est tombé sur un village. Oui, en tombant, Tamur a écrabouillé un charmant petit hameau qui vénérait le dieu Van, Njord. Thor s'est toujours vanté de l'avoir fait exprès, mais la vérité, c'est que ce soifard a juste eu un coup de chance. Thor, c'est un enculé. Dans l'histoire de God of War pour le moment.
Il y a tellement d'histoires dessus. C'est une créature dangereuse. On va s'en occuper à deux. Cherche un burin. Ça pointe en tout cas, oui. Un très très grand burin. Ça a récupéré. Ce cristal sur l'anneau du géant semble prometteur. D'abord à droite. Son idée. Et après à gauche. Y a rien d'autre. Non. Ok, go. Qu'est-il arrivé aux survivants? Ah. Tamur était un géant de glace. Quand il est mort, son dernier souffle a tout gelé. Odin torture et son fils, c'est pas mieux, quoi. Son fils est vraiment pas mieux. Je pense qu'on va pouvoir augmenter l'armure à niveau 3. C'est quoi là-haut ? On a quelque chose à faire ici ? Le voilà ! Trouve la pointe de ce burin. Il nous faut sa magie. Mais faut avouer que Thor doit être aussi puissant que Kratos. Est-ce qu'on attaque? Un cristal lumineux d'Alpha, je me demande à quoi il sert. Waouh, quelle esquive! Pas fini. Joli. C'est pas mal, hein ? Convenable. Convenable. Convenable, pardon. Pas joli, convenable. Ah oui, c'est vrai. Il nous faut de la sève. Et il nous faut les cygnes. Alors, on a un 3 à l'envers et un P. Ah,
boum. Oh la vache, on l'a one shot. Enfin, on lui a fini la vie, quoi. Caillou. Putain. C'est bon. Tada. Hey, de la sève durcie de l'arbre monde, ça tombe bien. Tu veux pas lire ça là? Faut que je m'avance encore. Ouais, bon, maintenant j'ai le truc sur moi. Ah, c'est où qu'on le met? Merde. Je crois avoir vu le... Ah oui, l'endroit, c'est là. Go. Bam. Un rift. Ouais, on peut totalement augmenter notre armure là, on a assez. Dans tes fondements. Ah, oh, c'est tellement beau. Ah voilà, Lila. D'accord. Par le nom de la mer, nous rendons grâce à Njord. Ah oui, on raconte que Njord aurait calmé les vents et les eaux en faveur des pêcheurs. Depuis lors, il l'adore et le vénère ici. Ça c'est bon. Encore de la sève. Je voudrais bien tester l'armure d'Arès. Elle a l'air pas mal. Ça va réduire notre barre de rage, mais elle va monter très vite. Donc en gros c'est jouer avec la rage, quoi. Atreus ici. C'est intéressant. Éclat parfait du royaume. Allez, let's go. Il est où l'autre? Boum. Tête de Tamur. Comment on descend? J'ai un plan. C'est vrai? N'aie pas l'air si surpris. Mon frère,
Je doute que même Thor, armé de Mjolnir, puisse traverser cette épaisseur de glace. Alors Thor est un idiot. Voilà qui promet du spectacle. Alors Thor est un idiot. Je suis prêt. Salut Céline. Silence, tête. Je pouvais rien faire, j'avais pas le contrôle. Pour le... Oui, on a trouvé une autre armure. Mieux ça... C'est pas mieux, c'est différent. Je la montre après. Pas bon. Boum. Allez, on monte dessus. Putain, tout ce qu'il y a, oh, la vache. C'est pas fini. Sérieux? Hey! T'es même pas fatigué. Jamais. On a l'armure de d'Arès. Ou une armure des As. Non, c'est Arès, je crois. C'est Arès. Enfin, celui-là que... Que Kratos a tué dans je sais plus quel God of War. Elle marche avec la... Non, 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 il y a un objet. Attends, attends. Merci. Elle marche avec la rage en fait. Voilà, moins de rage niveau quantité, mais elle charge beaucoup plus vite. Impressionnant ce... Ce combat. Tiens, attrape. Oh. C'est ce qui s'appelle gâcher une pomme qui était parfaite. Par où es-tu passé? Il n'y a nulle pause. À chaque fois, il gueule sur les nains. Je peux faire toutes sortes de choses. Ouh! Oh la vache. Oh mon dieu de mon dieu de mon dieu. Alors déjà, les petites. On a plein d'armure. Alors, soufre ardent. Soufre ardent, c'était quoi? Quand vous subissez des dégâts, j'en modère d'obtenir un aura de feu qui augmente la force et restaure un peu de santé. Équipez l'armure de soufre ardent complète pour augmenter les chances. Ça, c'est cool. On a magma incandescent plus, crée un bouclier enflammé qui inflige brûlure aux ennemis et protège l'interruption en cas d'attaque. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Ça protège l'interruption. Blastron de cendre plus, sanche modérée d'infliger dégâts de brûlure percutant aux ennemis à proximité quand vous subissez des dégâts. Pas mal, pas mal. Arès, c'est ça là, c'est augmente l'accumulation de rage de Kratos, sa vitesse d'épuisement. En fait, ce qui est embêtant, c'est que ça augmente sa vitesse d'épuisement aussi. Donc elle va... Elle va se réduire extrêmement vite. Et ça réduit la barre. Je suis sûr que ça réduit la barre par deux. Genre, normalement, on a deux barres, là. Je suis quasiment sûr qu'on va avoir qu'une seule barre si on équipe ça. Mais sinon, les stats niveau force sont quand même abusées. Moi, je l'ai niveau 9. Elle est juste niveau 8. On est déjà à 40, quoi. Même la défense est top. Après, bon, il n'y a pas de vitalité, il n'y a
peu de chance. Il y a beaucoup de récupération. Je sais plus ce que ça fait la récupération. Réduit le temps de récupération des attaques runiques et des invocations runiques et des talismans. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. Faible chance d'obtenir un atout colère enflammée à chaque coup réussi. Colère enflammée augmente considérablement la force et restaure un peu de santé. C'est ce que j'avais pendant un très long moment. On a les braises de Simmara. Invoque un puissant maelstrom de Muspelheim qui empêche l'ennemi d'interrompre les attaques de grâce aux réduits dégâts subis et inflige des dégâts normaux et des dégâts de brûlure aux ennemis à proximité. C'est pas mal ça. Oh putain, on a plein de trucs à prendre quoi. Oh la vache! Mais à chaque fois il faut des perles de colère quoi. Offre un bonus de stats aléatoire, augmente les dégâts infligés sur les attaques runiques de souffle Tamur. Ah oui, ça je m'en rappelle ce que c'est. Ça y est, là on a plein de choses. Ouais, enfin ça on connaît. Bon. Allez, au plaisir. Alors, fais voir un peu. Ok, on a tout niveau 9. On a ça, enfin, ça c'est de la merde. Enfin, c'est pas intéressant pour la façon dont je combats. Donc enchantement, on n'a rien. Les talismans. Talismans pourraient le changer. Moi j'aime bien ça. Le coup en fait, ça c'est pas mal. Heimdall plus. Plath. Mettons-nous au trap. Mais maintenant on en a plusieurs d'autres. On a Simmara, c'est pas mal. Ça aussi c'est bien, octroie un excès de rage. Et ça a un effet passif d'augmenter la quantité de rage obtenue en combat. Ah, si on met ce talisman. Si on met ce talisman avec l'armure d'Arès, ça peut être vachement bien. Comment on débloque rage? Je crois que c'est par rapport à l'histoire en fait. Il faut avancer dans l'histoire. On a récupéré Mimir et on a eu l'armure. Enfin, on a eu l'armure, on a eu accès à l'armure. Et que puis-je faire pour toi ? Il y a le pommeau de la hache aussi. Ça, j'ai envie de le faire. Ça augmente considérablement la force et restaure un peu de santé. Faible chance. Oh. Rien. On va rester comme ça pour le moment. Nous, on a faible chance de venir à des tours brume de guérison à chaque coup réussi. Bon, ce plan que tu as. Tu l'as deviné. Te connaissant, je dois pas s'agir de rester ici. Correct. Mais comment on va avancer? Vous vous souvenez de la dague que vous m'avez donnée? Eh bien. Allez à la forteresse de Northrae. Enfin, ça sera pour plus tard. Encore une chasse au trésor. Inutile. Non. Pas si Sindri peut améliorer notre équipement grâce à cette pierre à aiguiser. Et puis, pense au fils du pillard. Il a assassiné son père. Où est-ce qu'on doit? Vous aurez récupéré la pierre à aiguiser. Prenez-en le plus grand soin. C'est une relique inestimable après tout. Si
Cela semble le moment où tu pourras vendre et changer de trucs contre des perles. Je pense, ouais. Moi, je dis que les deux mondes qui sont optionnels. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah oui, non, mais faut enlever ça, là. Les deux mondes qui sont optionnels vont nous servir à farmer des perles. Ah, ah voilà. Tu l'as pas eu? Voilà. Attention, mon atelier est juste là. Yeah, c'est bon. Ennemis à terre. Quoi? Ennemi à terre? Est-ce qu'on va entrer dans ce bâtiment? Non, il oui. Y a pas de monde bonus. Il y a pas de. Qui nous aidera à briser la glace et à attendre la pointe du burin? Non. Y a pas d'extra dans ce mode. Tiens-toi prêt, mon garçon. Ah, ils sont chiants, eux. Je suis prêt. Casser l'armure. Oh merde. Yeah. Ok, on a gavé. Pourquoi j'ai été repoussé? C'est bizarre. Là, je sais pas. Non, il y a pas de monde en plus. Non, non, ils ont jamais parlé de monde en plus. Mimir, tu connaissais cet endroit avant? Oui, j'ai été envoyé ici en mission diplomatique. J'ai tenté d'amener Asgard et Vanaheim à négocier un accord de paix. Maudite guerre, tant de vies perdues. Ce que j'ignorais, c'est que Thor avait déjà entrepris d'exterminer les géants. Que venaient faire les géants au milieu d'une guerre entre les dieux? Absolument rien. C'est là toute la tragédie de l'histoire. Ils n'ont jamais pris parti dans cette folie. Mais la paranoïa d'Odin n'a d'égal que la soif de sang de Thor. On est tombé. Ah oui, il faut faire tourner la... l'épée. Ouais, celle de d'Arès, elle est quand même bien stylée. Ouais. Mais il faut jouer surtout avec la rage. Bon, moi, je suis pas trop fan de la rage. Elle est bien, la rage, hein, mais... Je préfère jouer avec les runes, en fait. Genre, je préfère spammer les runes. C'est bon, là ? Stop. Kratos. Okay.
Voilà. On est bien. C'est la rage qui régène. Pas qui régène, qui augmente très vite avec Arès. Pour les runes, c'est une autre... une autre armure, je crois. Droite ou en bas? Je sais plus. On va aller en bas. Pomme. Merde, on aurait dû aller à l'intérieur en fait. Ok, attends. On retourne. C'est reparti. Ah, la récupération. Ouais. La stat récupération. Ouais, enfin après, je pense pas que ça, ça influe énormément. Mais enfin, ça influe, oui, ça influe, mais... on a un peu plus quoi. Faudrait tester, mais il faut des perles de colère. C'est chiant. C'est un peu la galère hein, le coup des perles de colère. Un autre cristal. Et maintenant ? Faut le pousser si je me rappelle bien. Oh, on y est presque. Comment on passe là? Faut le détruire ce côté en fait. Ah oui, c'est bon. Eh bien, ce n'est pas un plan très discret. Maintenant, il faut libérer l'autre sangle. Vraiment ? Voilà. J'en ai une centaine, j'ai pas augmenté l'armure. Ah. Pour le... Moi, j'ai utilisé que cette armure pour le moment. Donc, niveau max. Après, il y a les talismans. Je pense que je vais attendre pour les talismans. Parce que je vois pas vraiment lequel utiliser. On a fini ici ou pas? Je crois. Hop, oh, non. Je suis perdu. Ah, là-bas, il y a un coffre. Oui, après, on peut refaire le NG+ indéfiniment, donc... Mais bon, j'espère quand même qu'il y a une façon de le farmer. Je préférerais farmer des perles de colère que d'avoir à refaire tout le jeu à chaque fois. Je crois que je vais sur le mauvais chemin là.
qui m'échappe. Hein. Oui, moi c'est ce que je pense. Dans le monde des brumes et, et du feu, il y aura sûrement des perles à récupérer. Ah putain, le con. Je crois que j'avais fait exactement la même chose la première fois. Pourquoi on va en haut alors que ce qu'on cherche est tout en bas? Réfléchis. Eh bien, la pointe du burin est sous d'épaisses couches de glace qu'on ne peut pas faire fondre. Exact. Et il n'y avait pas de cristal d'éclat à proximité sur lequel j'aurais pu tirer, donc c'était pas une option. Exact. Le seul moyen est donc de transpercer la glace, mais il faudrait pour ça un objet incroyablement lourd et... Oh, oh. Ça y est, j'ai compris. Bien. Comment va-t-on tourner le marteau pour qu'il atterrisse près de la pointe du burin? Impossible. On va le libérer, descendre avec lui et aviser sur le moment de ce qu'on peut faire. Donc ton plan comporte une bonne part de chance. Mais tu vas en proposer un meilleur. N'hésite pas à en proposer un meilleur. Et maintenant? Accroche-toi. Ah ouais, là ça va être... Ça va être mouvementé. Ce plan ne me dit rien qui va... Silence, tête. Saute. Ça n'a pas marché. Il n'est tombé qu'un petit peu. Ah oui, là on va être dans le... Le temple là. Avec l'élévateur là qui monte et il faut du temps, il faut... Enfin, il y a un temps, il faut tuer les monstres. Oh non, le sol s'est effondré. Il y a une vasque de sable, mais comment on peut l'atteindre? Viens voir ici. Ah oui, l'énigme. Je me rappelle plus de l'énigme. Qu'est-ce qui est écrit? Quand le temps lui fait faux bond, le voyageur avance à reculons. À reculons? C'est à l'envers? Ces symboles, ce sont les saisons. Oui, mais tout est en désordre. Ça devrait pas être hiver, printemps, été, automne. Pourquoi commencer par l'hiver? C'est la même chanson que mère me chantait. Oh, mais celle-là. Hiver! Silence, tête. Même pas la musique. Compagnie. C'est l'inverse. C'est pas ça? Et c'est ça! Vetter! Suma! Var! Vetter! C'était pas ça! Atreus. Vetter. Var. Suma. Haust. Ça n'a pas marché, mais je sais que c'est dans cet ordre que Merle chantait. Quoi, j'ai fait deux fois? C'était dans cet ordre que Merle chantait. Mais c'est pas ça.
fait l'inverse. J'ai mis deux fois le même par erreur. Je sais pas. Ouais. Fais-le. Aust. Suma. Voilà. C'est parti. Atreus, ce mot. Fola, ça veut dire résiste. Essaie. Fola. Bien joué, petit. Écris-le encore. Fola. On s'élève. L'énergie fait monter la plateforme. Continue. Tête. Comment est-ce possible? À mon avis, magie temporelle. Une chose dangereuse avec laquelle les dieux Van aimaient jouer. La capacité de figer le temps. Une des spécialités de Njord, en fait. Aimaient? Ils le font plus? Eh bien, il se trouve que figer le temps arrête la course de la lune et du soleil dans le ciel, mais pas celle des loups qui les chassent dans l'espoir d'y planter leur croc. Alors, les dieux ont estimé qu'il était préférable de laisser le temps filer. Voilà. Ciao. La voie est libre. Reprends l'écriture avant que le sol s'effondre. Dépêche. Ça marche bien comme ça. Parti. Formidable. Oh merde, pas ça. Yes. Regarde. Regarde, on est presque en haut. Merci encore une fois à l'armure, hein, de pouvoir récupérer autant de rage aussi facilement. Fora.
Non, putain, allez. On y va. Bon travail. Merci. Atreus. C'était seulement pour plaisanter, vieil ours et gris. Merci. Il est cool, Mimir. Bon, on y est. Comment on va faire pour la dégager? Poussez. Mais... Et confiance. Allez, go. Prêt? Cale-toi et pousse de toutes tes forces. D'accord. Et Mimir, je veux pas nous donner un coup de main? Comment on descend? On saute. Vraiment? Viens. Ne panique pas. Pourquoi je paniquerais? Parce qu'on tombe. Je te tiens. Tu es malade, tu le sais, ça? Tu vas bien. Tant mieux, on doit avancer. Tu es malade, tu le sais, ça? La pente du burin. Laisse-le faire. Cet homme a un certain talent pour la destruction. Ne l'oublie pas, tête. J'y pense à chaque seconde. Faut pas oublier, la destruction, c'est son dada.